c'est une habitude ça après. D'accord. Je leur parlais de, tu sais, faire allégeance à ça et le pacte du sang qu'on a fait pour faire des vues. Ah ouais. C'est ça le secret. Comment tu crois qu'il fait Squeezie, hein? Nous allons faire aujourd'hui des canulars téléfaux. Non. Voilà, aujourd'hui ça va être, j'espère, une grosse poilade. Et nous sommes avec une nouvelle invitée, c'est Juliette. Bonjour Juliette, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, prête à faire une grosse poilade, j'ai beaucoup aimé ce mot. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est la personne qui a la meilleure technique au monde pour casser des œufs. Vous pourrez aussi la retrouver sur sa chaîne Passer le Nouvel An toute seule et elle vous explique comment passer un bon Nouvel An toute seule. Aujourd'hui, comment est-ce que la vie va se passer? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait, Loni? Alors aujourd'hui, nous allons... On va les couilles, frère. Je continue? Aujourd'hui, nous allons devoir faire des petits défis. Celui qui perd le défi a un gage qui est d'appeler quelqu'un au hasard qui va devoir piocher dans ses petits bols. Et pour les défis, on a choisi plein de petits jeux à la con, genre tu dois cliquer le plus sur ta souris, enfin ça va être très drôle, et chaque round décidera qui tire dans le bol pour faire le canular téléphone. Bon bah écoutez, on va commencer et on va faire le premier jeu, c'est parti. On n'enlève pas les post-it? Oh, rien. 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 Eh ben c'est bien, merci. Juliette, c'est toi qui ouvre la manche, c'est parti, tu dois cliquer le plus possible en 10 secondes. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, s'il va gagner, c'est le meilleur. Ouais. Boum. Et donc on commence avec... Tu voudrais un truc à Paris ou... Un truc genre un Pondichéry, ça va être trop marrant. Pondichéry, c'est en français ça. Mais c'est français. Pizza, s'il vous plaît. Pizza, pizza. No delivery, sir. No takeaway. Oh, ok, pizza. Pizza. Pizza, sir. No delivery, sir. Pizza, goût, pizza. Ok, two pizza. Two pizza. Alors, pineapple pizza without pineapple. You are coming here? Ah, yes, yes. I take the plane, ok? Ok, sir. Chicken or... Non, non, without pineapple, just pizza. Non, ok. Ça m'a tué, franchement c'est des délires. Eh, hey, grosse dédicace aux gens de Pondichéry. Oh, le gars il est super marrant. Miskin était grave passionné. Nouvelle manche, nous allons faire le jeu de réaction. Le moment où la couleur verte elle apparaît, tu dois appuyer sur la souris. Plus ton score est bas, plus tu gagnes. Allez, attention. Répit. Regarde ça, Charlie est chaud. Bilibi papa, quel gap. Ouh, c'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est parti, Loni, à ton tour. Moi, je suis juste plus que moi, plus que moi. C'est Keiko. Yes. Bravo, Juliette. On l'applaudit. Très jeune enfant ou personne âgée au téléphone. Oh. En plus. Alors celui-là, il va être drôle. Sonore, la communication sera enregistrée et vous sera facturée 2,99€ plus 2,99€ par minute. Ouais, je vais douiller.
Bonjour, je voulais vous appeler pour savoir où c'est qu'il y avait un magasin pour manger des barbes à papa au Nutella, s'il vous plaît. Parce que moi, j'avais mangé cette barbe à papa avec mon papy. Clémentine, papy, Clémentine, attends, tu sors le téléphone. Clémentine. Papy, avez-vous une demande sérieuse, s'il vous plaît? Oui. C'est très sérieux, c'est... Attendez, je vais vous passer mon papy. Voilà. Oui, bonjour. À qui ai-je affaire à l'appareil? Monsieur, vous êtes avec les renseignements téléphoniques. Et c'est ma petite fille qui vous a appelé? Oui. Et c'était quoi sa question? Il veut un magasin qui prépare des barbes à papa. Mais des barbes à papa, il faut pas lui donner des barbes à papa. Elle a 6 ans. Très bien. Je n'en ai rien à foutre de vos problèmes. Donc qu'est-ce que... Problème dans ma famille. Je... Papy, la barbe à papa. Mais arrêtez de me parler de la barbe à papa. Vous avez l'adresse dans le 9e? Oui, 18 rue. 18 rue. Condorcet. Le con, je suis pas con, madame. 18. Condorcet. Comme du condensé de tomate. Très bien. Un condensé, très bien. Donc 18. 18 rue condensé, très bien. On a un verger dans le jardin, je vais cueillir des pommes et je suis tombé. Alors faut parler doucement. Je répète, dernière fois. Papy, 18 rue de la condensée de tomate, très bien, 75. Ah, ouais. Bravo à tous les deux. Mais surtout que là, on a une toute une famille. Là, on a la grand-mère, le grand-père. Ah, j'ai cru qu'on s'en sortirait plus. Je crois, l'épouse. Waya. Waouh, putain, c'était drôle, hein. J'étais mal pour la dame, franchement, j'étais mal pour la dame. Elle faisait que dire, vous savez, tout le monde est sérieux sur votre... Non, il n'y en aura pas. La petite parenthèse, voilà, évidemment. On fait ça pour s'amuser, mais... Et puis aussi pour les payer, hein, parce que là, moi, j'ai du ralas, hein. Bon, on va faire un jeu mobile. On doit appuyer sur tous les caramels qui apparaissent. Et la personne qui fait le pire score, eh bien, elle devra tirer dans le bol magique. Oh là. Allez, il a perdu. Il a perdu, oublie la règle. Il faut pas que t'appuies à côté de Nico Mathieu. Ouais, t'as fait Nico Mathieu. Attends, je veux juste... Ouais, ok, tu veux celui de l'appartement? Moi, je suis pas dans la confiance. Non, mais je veux que tu le... Non, parce que. En fait, dans un épisode qu'on avait déjà fait avec Hugo, il avait appelé une agence et il demandait des renseignements chelous. J'en viens de tirer en vrai. Hein. 3, 2, 1. Est-ce que je peux le. Ah, la déception. Donc, ce qui est écrit sur le papier. Attention, les gars, de faire une chute. Agence immobilière! Yes! Demandez des choses improbables! Donc, j'appelle une agence immobilière pour me renseigner sur un bien et je pose des questions totalement what the fuck. Oui, bonjour madame, je vous appelle car je souhaiterais avoir des renseignements sur un appartement que j'ai vu sur le site seloger.com. C'est un appartement qui est en location à Neuilly-sur-Seine. Je voulais savoir, est-ce que l'appartement est encore disponible? Oui, il est toujours d'actualité. D'accord, ok. Moi j'avais quelques questions à vous poser concernant l'appartement, notamment sur cette fameuse cave. Je voulais savoir de quelle épaisseur étaient les murs dans la cave, parce que j'ai tendance à avoir un petit frère assez bruyant. Et je voulais savoir si c'était bien isolé. Je pourrais pas vous dire plus de résolution. Vous avez déjà vu la cave? Sur la cave, oui, rapidement. Je peux pas vous dire. C'est une belle cave? Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais être très honnête avec vous. Il faut que j'aille vite parce que je sors de prison demain pour tout vous dire. Mais vous n'avez pas travaillé du coup. Là actuellement j'ai une base, un capital de 500 000 euros en liquide, donc je pense pas que ce serait un problème par rapport au dépôt de garantie ou quoi que ce soit. D'accord. J'avais juste une dernière question, c'était surtout par rapport au gardien. Je voulais savoir au-delà de l'immeuble, qu'est-ce qu'il gardait, quel âge il avait, comment il s'appelait. Pour être franc avec vous, c'est vrai que je sais pas si c'est un trouble que j'ai eu, mais j'aime bien être gardé, c'est très important pour moi et j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'être gardé physiquement, mentalement, psychologiquement. C'est important pour moi. Merci. Alors, je vais prendre mon coordonnée. Vous êtes monsieur Drucker. D'accord. Ok. Très bien, merci pour votre aide, madame. Bonne journée. Merci. Au revoir, j'espère la voir. Hein. Yes. Waouh. Wow. C'était délire. Drucker, j'étais pas prêt. Hé, hey, j'ai un truc, jusqu'à maintenant, hein. on parle. Mais Charles, il a pas eu la boîte. Hein. Ouais, mais il a quand même bien joué. Oui, là, il est agi. Eh bah, hé, allez. Faire appel et mettre en attente et faire vous-même la musique. Oh là là. Oh là là, ça va être impressionnant. Allô? Oui, bonjour, oui. Monsieur. Non, c'est son épouse, mais vous voulez monsieur...
Non, je pourrais voir ça avec vous, en fait, je suis service d'eau, vous habitez bien à l'adresse. C'est bien ça? Oui. Oui, je vous appelle pour une intervention dans la journée, potentiellement. Et attendez, j'ai un voisin qui m'appelle en double appel, je vous laisse juste 10 secondes et je vous reprends. Oui. A wimbo way, 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 a wimbo way. Hey. Hold up. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô. Oui, merci d'avoir patienté. Avant de reprendre la discussion, que pensez-vous de notre musique d'attente? On est en train de faire une enquête par rapport à ça et c'est actuellement... Dites-moi. Je n'ai pas beaucoup entendu, 3 secondes, c'est assez curieux, on va dire. D'accord, bah, je vous appelle pour une potentielle intervention pour évaluer la qualité de votre eau. Mais vous êtes qui, là? Parce que j'aimerais bien comprendre, là. Je suis Dominique Michel, de la Compagnie des Eaux, de la commune de... Et je vous appelle... Vous foutez pas de moi, un peu, là? Attendez, vous êtes de la Compagnie des Eaux, de la commune de... Commune de... J'en suis l'adjoint, moi. Allô? Oui, allô? Je connais particulièrement le service des eaux parce que c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Mais ce que je... Vous fichez pas un peu de moi, là, des fois? Non, parce que moi, je suis pas responsable directement. Je suis lié au département de... Notamment sur toute la région. Vous êtes missionné par qui, s'il vous plaît? Missionné par l'État, monsieur. Et Oui, non, là, il y a un loup, là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors... Vous vous foutez vraiment de moi, là. C'est une arnaque, vous tombez sur l'adjoint de la commune. Juste un instant, j'ai de nouveau un double appel. A Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé, a Wimboé. Ah, il a raccroché. Wouah, il était chaud. Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce hasard de malade, là? Quand il a fait, je suis adjoint, enfin genre je suis accompagné. C'était mon gars. Y'a pas moyen que tu boucles la musique en sonnerie de téléphone, mec, et on la donne aux abonnés, mec. Ce serait mec, t'imagines genre en mode... Je vous trouverai en description le lien de téléchargement de notre sonnerie. Mentionnez-nous sur Twitter, vous prenez une vidéo ou envoyez-nous quand vous avez la sonnerie sur votre téléphone. Vous avez une toute heure qui apparaît à l'écran. Mec, c'est la meilleure sonnerie du monde. Alors regardez, on a cette roue avec la tête de plein de copains youtubeurs. Regardez, c'est incroyable. Il y a aussi nous 4. 3, 2, 1... Ok. Allez, c'est parti. On a peine niveau. Oui, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Un appareil, son appel, on m'a communiqué votre contact puisque je chercherais des renseignements pour préparer une expédition et des conseils en alpinisme. Oui, bien sûr, dis-moi. Je n'ai jamais encore pratiqué, donc je voulais savoir, est-ce que vous faites de l'accompagnement éventuellement pour des personnes qui... Et Charles, comment ça... Je t'ai prévenu. Tu vas cramer tout de suite? Non, je t'ai pas cramé. Voilà. Nico, tu as compris, on est en train de faire une vidéo canular et par hasard tu as été sélectionné. Mais en tout cas, big up à toi Nico. Ouais, allez vous abonner à sa chaîne. On mettra un extrait. Un extrait, Pat. Bon, ouais. Nico. Je vais te tuer. Bonne journée. Et... Salut Nico, bisous. Et à très vite. Attends. Oh putain! Non! T'as encore cassé le truc! Franchement, frérot! Et c'est le cadeau de Noël! C'est ma mère qui m'a offert ça! Le lit casse tous les cadeaux! Et c'est sur cette belle conclusion que nous allons finir la vidéo. Et ne partez pas tout de suite. Tout d'abord, on vous invite à cliquer sur le pouce bleu de la vidéo. Mais oui, mettez-vous bien. Avant que vous partiez de la vidéo, il y a Michel qui souhaite vous transmettre un message. Voilà, donc vous allez en bas de la vidéo, cliquez sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne surtout Juliette. Cliquez sur le bouton rouge, pour cela vous allez rentrer dans la barre de recherche, vous tapez Juliette. Je vais l'appeler pour toi, Michel. Okay. Jam, J-A-H-A, putain. Voilà, donc J-A-H-M. C'est long de faire ça, en fait. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Loni, le meilleur commandeur de pizza au monde. Il appelle les gens jusqu'en Inde pour commander sa pizza. Est-ce que t'as déjà commandé une pizza en Inde, toi? Non. Abonnez-vous aussi à Charles, et il nous aura fait taper des grosses barres avec son canular. Donc moi, je dis bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde. Et bien sûr,
sûr, vous pouvez vous abonner à Hugo pour ça, c'est très simple. Cliquez en bas sur le bouton rouge. Voilà. Bef. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain à 18h. C'est en 3. Ah, tu vois, lui, c'est le seul. Non, mais ça, c'est un vrai. Je vais laisser le mot de la fin à Juliette. Hein? Question. Allez, hop. Mais déjà, je suis nul en jeu de réflexe, mais eux, ils sont très forts. Et j'ai hâte de faire un numéro 2 parce que franchement, ça va être des barres avec vous. Et la K-pop, c'est bien! Yes! Vous allez dropper un de la merde!